Toute l'actu en images à suivre en cette fin d'année. Tout d'abord, Christian Louboutin, le chausseur au talon rouge, célèbre ses 20 ans de création à travers un ouvrage et nous livre en prime un making-of humoristique réalisé autour de ses amis stars comme Rossi de Palma ou le chanteur Mika. Montée d'adrénaline avec le joueur de tennis Rafael Nadal qui se dénude pour la dernière campagne publicitaire Armani Underwear dont il est l'égérie. La saison de remise de prix a commencé avec le célèbre CFDA Award attribué au créateur français installé aux États-Unis, Joseph Altuzarra. À suivre également le retour de la maison Versace et l'entrée de la sublime Nijingyin dans le calendrier officiel de la haute couture en janvier prochain. Enfin, clin d'œil à Karl Lagerfeld, toujours omniprésent, mais cette fois en poupée de chiffon dans les vitrines du printemps et chez Sephora. Je reçois presque un t-shirt ou une caricature par jour. Et je ne peux même pas attaquer les gens qui font des t-shirts avec moi dessus, puisqu'on nous a répondu « vous êtes domaine public ». Vous avez été quand même pas si mal d'avoir réussi, sans faire exprès, quelque chose de sa personne que les gens reconnaissent à la terre entière. But my mind was low.